quelle retouche le serpent. Quand elle retouche le serpent redevient encore bâton. Ainsi, le bâton de Moïse, c'est quoi? Voilà Moïse, voilà le serpent. Voilà Moïse, voilà le serpent. Donc, quand Moïse retouche le serpent, c'est-à-dire, quand il fait A plus M, plus M, Moïse retouche le serpent, ça fait quoi? A plus M. Ça fait K à la puissance 11, M à la puissance 13. Donc, Moïse retouche le serpent, ça fait 24. 24 à la puissance 24, ça fait 10. On retrouve la force. Et c'est la même. Moïse retouche le serpent, ça se retrouve en bas. Voilà le bas. C'est le bas. Et pour cette forme-là, pour la forme X là, parce qu'en fait, Moïse, à qui Dieu a donné un bâton c'est quoi? Moïse, il a quoi? Il a les mots. Là, les mots, c'est quoi? Zor, avec qui ça fait des yeux. Les mots des yeux. Moïse, c'est les mots des yeux. Moïse ne voit pas clair. Les mots des yeux. Donc, Dieu l'a donné quoi? Il a donné un bâton pour se guider. Un bâton pour se guider. C'est comme ça. Et ce bâton là, c'est quoi? Le bâton de Moïse là, c'est les yeux. Les yeux de l'air, c'est les yeux. Et telle est la forme des yeux. Les yeux, c'est X. C'est X. Vous le voyez facilement, si vous regardez, c'est X là. Les yeux, c'est X. Je l'ai bien expliqué dans le cours de calcul. Le X, c'est les yeux. C'est comme ça. Encore. Le bâton de Moïse, c'est X. X, c'est là. 4 unités. Après 60. Fils de quoi? Fils de pas comme papa, papa de la